Salut tout le monde, c'est Pazolé, nous retrouvons sous une première vidéo sur Rainbow's, ça soit Rainbow Six Siege. Ça veut dire comme ça on le prononce ou je le prononce mal. Là. Et nous allons faire notre première vidéo là-dessus. Comme vous voyez, je suis hors ligne parce qu'il y a encore une petite mise à jour à faire. Mais j'aimerais ça bien le tester. Ben, je l'ai déjà testé, mais j'aimerais ça que vous voyez qu'est-ce que j'ai pu tester en ce moment. Et c'était vraiment parfait. Nous allons faire la première mission. On va faire en mode normal. Les autres fois, on les fera difficiles. Vous allez participer à 10 exercices antiterroristes basiques avant d'être déployés. Sous la tutelle du SAS de Airford, vous allez infiltrer une zone d'entraînement pour y éliminer toute résistance. En combat rapproché, les agents doivent étudier leur environnement pour localiser et identifier les menaces. Sécurisez la zone lentement et méthodiquement. Ici, vous allez affronter un ennemi aguerri, équipé d'armes et d'explosifs militaires. Éliminez vos ennemis sans faillir. Et utilisez votre environnement pour limiter votre exposition aux tirs ennemis. Ne vous arrêtez qu'une fois la menace neutralisée. Éliminez tous les terroristes. Ok. Faire au moins réussir 4 tirs dans la tête. Parfait. Gunshot. Plus que 3 à faire comme une tire à la tête. Plus que deux à faire des tirs à la tête, t'as pas ça. Défi réussi. Ennemi en vue. Grenade flash, je la connais. Ok. Comme on a dit, comme dans 2X et Mankind Dave ID, l'entraînement comme il a dit, toujours recharger après un combat. Ben, quand on a fini d'éliminer les cibles, que c'est correct. Reste 3 ennemis. Oula! De santé, merde. Hop fort neutralisé. Mission réussie. Pas mal. La qualité est de ça. Parfait. Il y a comme pas de mots à dire. Ah, le bonus, c'est sûr que là, j'ai pas de bonus parce que là, je suis hors ligne, là. Mais je me connecterai après ça. De toute façon, je vais le refaire avec vous autres en mode difficile, après ça, réalité, là. Dans une prise d'otage, impossible d'être lent et méthodique. Une fois dans le périmètre, vous devrez lancer un assaut avec force et dynamisme pour extraire l'otage d'une maison barricadée. Utilisez des explosifs pour infiltrer rapidement la maison. L'intégrité physique de l'otage est votre priorité.
Les explosifs vous offrent un avantage tactique momentané pour neutraliser l'ennemi et sauver l'otage. Couvrez votre cible tout en rejoignant le point d'extraction et éliminez toute menace sur votre route. Bonne chance. Ouais, c'est vrai que sur le otage safe... localisé. Rejoignez sa position et sécurisation. À propos des pistolets, ça, moi ça m'a pris du temps pour savoir le fonctionnement. Mais il faut vraiment viser la tête avec le pistolet pour éliminer plus rapidement les cibles. Parce que sinon, ça va prendre beaucoup plusieurs munitions avant d'éliminer parce que. Il y a des comme ceux là. Vous voyez, ça fait rien. Hein? Faut vraiment viser la tête. Oh, les tuer. What the fuck? T'es gentil. Ah, j'ai encore le... J'ai pas Waldo. J'attrape l'otage. Otage sécurisé. Procédez à l'extraction. Assurez la sécurité de l'otage. Ennemi en approche. Aussi un truc là, moi que j'ai pris ça en juin. Non, ça c'est vrai, j'ai vraiment pris ça en juin. C'est que vous pouvez entendre les bruits de pas de vos adversaires. Ça veut dire s'ils mangent, vous pouvez les entendre. J'ai un flash. Bon. Bien joué. Otage libéré. Voilà. Mission suivante. Une bombe menace la vie d'une cible très importante. Il est crucial de choisir un point d'entrée qui minimisera votre exposition aux tirs ennemis et le temps qu'il vous faudra pour atteindre et désamorcer la bombe. La descente en rappel est la meilleure option. Vous pourrez ainsi éviter les couloirs et les escaliers. Une fois la cible atteinte, désamorcer la bombe qui est chargée avec un composant chimique inconnu. Vous êtes équipé d'un désamorceur. Posez-le près de la bombe pour intercepter le signal et protégez-le pendant toute la séquence. Il faut localiser et désarmer une bombe. Okay. Ah, j'ai pas lu le défi, merde.
On peut-tu les voir? Ok, ouais. Terminer les situations avec une santé au moins de 50%. Ok, éliminer deux ennemis à travers une surface de structure. Okay. Voilà, c'est ça. On va essayer de trouver toutes les ennemis. Ouais. Il n'y a pas l'air à en avoir dans cet étage-là, mais ils ont essayé de faire leur barbelé. C'est pas bête. Ok, ils sont plus à l'étage. Il y en a qui peuvent être bien cachés là. Ok. Qu'est-ce que... Oh. Oula, 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 oula. Merde. Ok, au moins j'ai pu localiser quelques ennemis. C'est juste ça. Un accès parce que moi là oui. Oh, vous voyez bien hein. Ça. Oui, que je... Ah, il veut vraiment me détruire celui-là. Ah, y'en a, ils sont super bien cachés là. Ah merde. On dirait qu'il est malade et qu'il vomit. Bleh! Mal au cœur. Coucou. Aïe aïe! Oh merde! Moi j'ai sûrement réussi le défi, ouais. Maintenant, mon défi ça aurait été de pas crever. Ben, de pas avoir 5. Au moins, il me reste au moins 50% de santé.
il y en a, ils sont cachés là. Okay. Boum! Qu'est-ce qui se passe? Faut défendre le truc que je préfère mieux. Ça, on va laisser. On peut se laisser les. Des amorceurs en position. Défendez-le contre l'ennemi. C'est comme si on pouvait le prendre. Oula! Plus que 45 secondes. Wow! Réussite de la mission. Ah mais de toute façon j'avais déjà gagné succès. Les avions sont toujours une cible de choix pour les terroristes. La médiatisation inhérente à une attaque contre des civils intéresse grandement les organisations qui veulent faire parler d'elles. Ce type d'attaque, si elle réussit, peut leur donner de la notoriété et accélérer leur recrutement. Les assauts tubulaires offrent peu de possibilités de couverture et de repli. L'agent H du FBI SWAT va être déployé pour cet exercice. Ces explosifs vont vous permettre de prendre le contrôle des lignes de tir. Éliminez tous les terroristes. Ok. Bon, on va y aller. Avec des munitions des. Attendez de mission d'infiltration d'HNC de surface de destructible. Ok. Faut au moins que je détruis deux surfaces de destructible. Tout, 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 tout.
Ouais, ça, moi je connais un peu parce que. Parce que j'ai joué un peu pour essayer un peu. Hein? Moi, ça fait pas longtemps, je l'ai comme. J'ai le jeu depuis hier et je l'ai téléchargé. Et j'ai joué un peu hier soir, tard. Pour m'exercer un peu avant de vous le présenter. Ce qu'il y a quelque chose, parce qu'il y a dans ta flèche comme par hasard. En fait, faudrait que je fasse une partie juste avec un silencieux. Je parie que je suis même capable de leur botter le cul sans de. Sans ma mitraillette. Shot. Trois ennemis. C'est vrai, il y a eu le troisième. Hey! Il devrait pas être trop loin. Lui. Si y a un flèche. Il est pas loin. Op fort éliminé. Mission accomplie pour nous. Je sais pas que ça va pas être comme ça quand je vais mettre le mode difficile et tout ça. L'ennemi a pris un otage et a équipé d'une bombe un des membres de son équipe. Idéalement, votre première balle doit éliminer la bombe. Cette situation. Et critique. Glaz utilise un fusil de sniper court OTS-03 équipé d'une lunette et d'un silencieux, ce qui lui permet d'éliminer les ennemis à courte et longue portée. Une fois l'otage sécurisé, les grenades fumigènes peuvent couvrir votre évacuation entre les bâtiments et les conteneurs jusqu'au point d'extraction. Otage localisé. Rejoignez sa position et sécurisation. Ok, bon, on a un snipe. Je vais essayer d'aller par en arrière. Oh, il a infiltré l'otage en moins de 7 minutes, ok, ouais. On va essayer. Je dis pas si on va réussir, je dis qu'on va essayer. Je sais pas si prendre tout ça, je t'ai dit. Voilà. Je suis pas si mal comme sniper, moi.
intérêt à attendre pour moi dessus. Wow, 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 wow. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, il y a un type là-bas? Merde. Et ils ont deux à faire un sac à merde. Avec ses montres, il s'est cassé, ben oui, hein. Il va s'aller là. On joue pas dessus. Hein? On va avoir la paix. Celui-là. Merde! De toute façon, ils peuvent pas me toucher rouge. Ah, merde. Oui. Putain, ça me casse les couilles. C'est lui ça? Non. C'est tout chou, lui. Ah, ça me touche la fenêtre là. Ouais, oh, monte tout et fasse un sac à merde. C'est à les couilles. Hein? Sécurise l'otage. Otage sécurisé. Déplacement vers point d'extraction. Les ennemis approchent. Protégez bien l'otage. Ça tirait d'où? Plus vite. En arrière de moi, merde. Courez. Moi, c'est pas si haut. Par ici. Merde, je peux me blesser. Oh merde, ça. Ça, ils vont pas me faciliter la tâche, ça c'est sûr. Non! Putain, les enfoirés. Ouais, je sais. Merde! Évidemment, hein. Oh, je suis pas seul tenté de me niquer. Eh non, eh, je. C'est fou quoi là? J'appuie sur prochain. La protection de la cible est essentielle. Vous devez vous accroupir et renforcer votre position pour repousser les ennemis et protéger la cible. Bon, excusez. Se regroupe, sécurisez la zone. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Non. Oh. Moi je déteste ça quand ça fait ça. Attends, c'était otage à sauver. Voilà.
L'ennemi a pris un otage et a équipé d'une bombe un des membres de son équipe. On sait. Idéalement, votre première balle doit éliminer la bombe. Cette situation est critique. On sait. Glaz utilise un fusil de sniper court OTS-03, équipé d'une lunette et d'un silencieux. On sait. Otage trouvé. Rejoignez sa position pour sécurisation. Putain de merde. Putain, c'est un nouvel monde aujourd'hui. T'as une balle qui frôle, tu sais, il est où? Toi, tu niques ta mère. Non. Je l'ai déjà fait cette mission-là. Toi, tu niques ta mère. Wow. Allez, go. C'est con. On va se ravitailler pour faire comme l'autre fois que mon fusil des sous n'est plus de belle. L'otage est avec moi, c'est on a l'otage. Amenez-le au point d'extraction. Des ennemis approchent. Protégez bien l'otage. Ok, il y en a un là sur ma voie. Dribble. Courez. On va pas se faire quoi. Par ici. Et ben voilà. C'était pas si dur. Bien joué. Otage libéré. Ouais, là on va aller à la suite. La protection de la cible est essentielle. Vous devez vous accroupir et renforcer votre position pour repousser les ennemis et protéger la cible. Forcez l'ennemi à lancer un assaut terrestre en coupant les lignes de vue et en l'empêchant de viser la cible à longue distance. Obtenez un avantage tactique en créant des goulets d'étranglement et éliminez les ennemis en approche. Vous déploierez un membre du SAS, Smoke, équipé d'une grenade à gaz télécommandée.
Les grenades à gaz télécommandées de Smoke sont idéales pour repousser les ennemis. Renforcez la zone, l'ennemi se regroupe. Oui, oh, oh. Hey, putain, on n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que je dois faire? Ça va. Insertion ennemie. Tenez-vous prêt pour engagement. L'ennemi se regroupe, protégez l'otage. Insertion ennemie. Assurez la sécurité de l'otage. Là, tu me manques plus de balles. Foiré. Position d'ennemi inconnu. Ennemi éliminé. L'ennemi se regroupe. Sécurisez la zone. Tenez l'otage à l'abri. Ennemi en approche. Attention, hop fort à l'otage en visuel. Je suis mort. Non mais c'est parce que je suis coincé à cause de l'otage. Échec de la mission. Je passe, mais l'otage il me bloque, je peux plus passer, je peux plus bouger.
Le seul problème, c'est que je veux bien. Si, mais c'est parce que si l'otage me bloque. Se regroupe, protégez l'otage. En plus, ça commence à m'énerver, ce. Hey, ils sont tout le temps en train. Ils sont tout le temps en train de faire sauter les murs. Surveillance ennemie dans ce secteur, repliez-vous. Insertion ennemie. Assurez la sécurité de l'otage. Renforcez la zone, l'ennemi se regroupe. Hein? Ah, je suis sûr que ça va pas m'aider à protéger l'otage, mais. Ouf. Insertion ennemie. Tenez-vous prêt pour engagement. La menace a été éliminée. L'ennemi se regroupe, sécurise la zone. Hein? L'otage à l'abri. Ennemi en approche. Ennemi éliminé. Victoire des alliés. Ennemi éliminé. Je suis où là, ouais. Souvent. Vous avez reçu une habilitation pour éliminer une cible importante sur le sol américain.
Ce groupe est surentraîné, bien financé et a accès à du matériel militaire. Ce sont des fanatiques qui n'accordent aucune importance à leur propre vie. Ils ont fortifié la zone avec des pièges et des explosifs, dans le but d'effacer toute trace de leur organisation. Pour cette mission, IQ sera déployée. Elle peut détecter les signaux électroniques avec son DSE MK3 Spectre. Éliminer les terroristes. Ben... Projet... Non, il y en a deux. Mais en fait, on a quasiment pas besoin du détecteur. Parce que vous attendez, qu'est-ce que ça fait quand... Ça fait... Hein, vous entendez, hein? Merde. Ah aussi, excusez-moi si j'ai eu des bugs sur les vidéos. En fait, c'était pas le jeu qui buguait, c'était ma vidéo, c'est parce que j'ai essayé de faire pour que la qualité soit beaucoup plus meilleure, mais ça parlait à marcher, fait que je pense que je vais laisser comme c'est parce que ça doit déjà être correct comme ça les vidéos de toute façon. Mais ça. Bien. Mais quel mélus, ça se retrouve pas, ça. Mais... Les explosifs. Oh putain, une chance qui m'a pas sauté la caméra. Bon, j'en ai besoin pour quelqu'un maman. Ils ont vraiment bourré d'explosifs, eux autres. Hey, j'aime plus. Oh, qu'est-ce que vous voulez? Des explosifs. Vous voulez pas des armes? Non, des explosifs. On en a déjà des armes. On veut plus d'explosifs. Ah ouais, des explosifs, ouais. Oh, bonjour, monsieur. Vous revoilà. Qu'est-ce que vous voulez? Des explosifs. Eh ben, vous voulez des explosifs. Eh hey, monsieur, il y a des clients qui veulent... Je voulais avoir des explosifs. J'en ai plus, il y a des mecs qui m'achetaient des explosifs que j'en ai tellement plus à cause d'eux. Comment ça? Ouais, ils m'ont acheté tellement d'explosifs. Même pas fichu de prendre d'autres choses que des fichus explosifs. Bah, tu l'as? Fait qu'il s'est dit que je suis là.
Ouvre-le. Mais il est où l'explosif, lui? Ah, il est là. Là où, là? Ben, c'est vrai, j'ai pas regardé, il fait terminer la semaine en moins de 5 minutes! Ah, ben merde, alors. Ça gêne pas de mettre des explosifs, ça. Ça gêne même pas. On peut le tuer ici? Sérieux, j'ai osé le buter? Oh bah. Hey, qu'est-ce que vous voulez acheter? Mais comme un des autres, ils veulent acheter de la bouffe. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux des explosifs. Ça se mange, c'est. Non, c'est ça que je veux, en fait. Le mec se trompe, mais il veut avoir des explosifs au lieu de la bouffe. Ah non, j'ai rien des explosifs. Je t'ai eu. Eh, le jeu est vraiment chouette. Ouais. On me tire jamais dessus. Capiche. Oui. Okay, I'll put it out. Coucou. Ah non, je peux pas tirer à travers. Quoi? C'est juste ça, ça m'amène. Oh, mais c'est nul, là. Yellow. Putain, j'ai reculé jusqu'à temps. Non, pourquoi ça, on met des, on peut y mettre des excuses sur les générateurs. J'ai pas fini le truc en 5 minutes. Ouh, hey, c'était chaud. En raison de la lourde fortification de la zone, nous avons peu d'informations. Faites une reconnaissance du site pour trouver un point d'entrée. Localisez l'otage et planifiez votre itinéraire. Thermite est équipé du Brimstone, une charge exothermique qui peut couper le métal et vous permettre ainsi de passer à travers des murs et des sols renforcés. Localisez l'otage. Ouais, mais pour moi, ça sera pour une prochaine vidéo, parce que là, ça va me tarder de faire une vidéo d'une heure. J'ai pas envie. Ben, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un like et abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo. Fait que, prenez bien soin de vous. Partagez-le aussi. Ça...
Prenez bien soin de vous. On vous fait des bisous. Ciao. Oui, salut.